Chers amis grésiens, dans une semaine, vous allez voter. Fort de ma première expérience en tant que conseiller communal, je souhaite apporter le vrai changement dans la gestion politique de Grès-d'Oiseau. Mettre fin aux diktats des groupes politiques qui étouffent leurs membres pour sauver l'image de leurs dirigeants. Permettre à chaque acteur politique de vivre pleinement sa mission de soutien à l'ensemble des citoyens grésiens et non plus à quelques privilégiés proches du pouvoir. Retrouver une vraie démocratie participative grâce à la transparence et la communication. Deux maîtres mots volontairement inexistants actuellement à Grès-d'Oiseau. Aujourd'hui, il n'y a aucune politique pour l'énergie durable à Grès-d'Oiseau. À l'heure où l'ensemble du monde scientifique pousse des cris d'alarme, à Grès, rien. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Depuis 2014, je suis indépendant énergétiquement parlant. Installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, bilan énergétique de ma maison et isolation complémentaire. Utilisation de l'eau de pluie. Oui, je pense à ma planète, à l'avenir de nos enfants. Je veux mettre en place immédiatement un plan énergie renouvelable pour l'avenir des Grésiens. Je veux interagir davantage par l'écoute et le dialogue avec la population, le personnel communal, les entreprises et les associations locales. Changer de cap et viser le changement reste ma motivation première. Je veux incarner la nouvelle voie à Grès-d'Oiseau. Le poste de bourgmestre ne se limite pas à deux personnes. D'autres Grésiens se mettent aussi en marche pour assurer la relève pour un avenir durable pour nos entités. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Alors on change? Je compte sur vous.